Jeffrey Dean Morgan s'est déclaré ouvert à un spin-off de The Walking Dead consacré à Negan, sous réserve que le personnage ne soit pas tué au cours de l'all-time saison de la série horrifique. Après Daryl et Carol, un autre personnage emblématique de The Walking Dead va-t-il voir ses aventures se prolonger par le biais d'un spin-off? C'est en tout cas le souhait de Jeffrey Dean Morgan qui révèle à nos confrères de TV Line espérer qu'une série entièrement consacrée à Negan puisse voir le jour après l'arrêt de la série mère, au terme de l'actuelle saison 11. Pour l'acteur de 55 ans, tombé amoureux du personnage, l'histoire de Negan pourrait aisément continuer au-delà de la fin de The Walking Dead. Il y a eu des discussions avec moi et les gars de la chaîne. Parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. Il y a encore des histoires à raconter mais je ne sais pas comment la saison va s'achever. Car en effet, l'épisode final n'ayant pas encore été écrit, le sort de Negan n'a pas encore été fixé par les scénaristes du programme. Pour autant, la mort de Negan ne doucherait pas forcément les espoirs de Jeffrey Dean Morgan, on verra bien. Parce que si Negan se fait tuer avant la fin de la série, cela pourrait être un problème à moins que nous nous tournions un préquel. Nul doute que le passé de Negan, dont un pan avait déjà été exploré lors d'un épisode consacré à la mort de sa femme Lucille, intéresserait énormément les fans de la série et du personnage. La possibilité d'une série se déroulant sur deux temporalités, présent, passé via flashback, n'est également pas à exclure. Rappelons que les épisodes de l'ultime saison de The Walking Dead sont proposés chaque lundi en exclusivité US+24 sur OCS Choc. The Walking Dead saison 11 bande-annonce.